Cela va faire 4 ans que sur YouTube et un peu moins sur Instagram, vous me suivez peut-être à travers des vidéos de voyage, de balade moto, ou à travers mon univers sur mes photos. Cet univers qui a commencé par l'achat de cette moto, qui grâce à elle, a pu me permettre de rencontrer tellement de personnes, d'horizons différentes, de styles de moto différents. Mais tous avec leurs propres histoires à faire véhiculer tout en se faisant plaisir avec leur propre moto. Toutes ces années ont passé et j'ai commencé à découvrir des lieux que je n'avais pas vus sous cet angle. C'est pour déjà mon enrichissement personnel que je fais ces voyages, mais aussi pour vous faire découvrir des endroits que vous ne connaissez peut-être pas. Et des endroits où vous n'irez peut-être jamais, mais que vous verrez à travers mes yeux. Cette sensation de liberté que je recherche le plus souvent, et que malheureusement cette année 2020 nous l'a enlevée. Alors pourquoi vous faire partager ces paysages et ces moments en vidéo? Tout simplement pour vous faire voir que ces endroits et cette liberté qui ne tient qu'à un fil, il faut en profiter pendant qu'il en est encore temps. Pour voir ces lieux, c'est unique, mais aussi de rencontrer des personnes de tous horizons auxquelles on n'aurait pas pu aborder dans d'autres circonstances. Ayons aussi une pensée pour toutes ces personnes proches ou lointaines, partis à cause ou pas de cette épidémie durant cette année 2020 si particulière et qui ne verront pas cette nouvelle année 2021 qui, je l'espère, sera meilleure pour tout le monde. C'est pour cela que je ne vous dirai pas bonne année. Mais je vous souhaite surtout de la santé, beaucoup de bonheur et du meilleur pour l'année 2021. Car on continue à rêver, mais on continue aussi à voyager.